Salut à tout le monde, c'est Ekar et aujourd'hui on se retrouve pour le donjon Squall Sèche et on va essayer de voir comment on peut faire pour le faire en Stasis 10 et donc le gérer facilement. Alors, le gérer facilement, c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, parce que là, le boss en fait, il est tendu, très très tendu. En fait, le boss a un sort surcheaté que je vais vous parler vite fait. Alors, il faut savoir que ce sort se lance uniquement si la cible de ce sort a le niveau d'ensanglanté au niveau 5 minimum. Pour avoir de l'ensanglanté, en fait, quasiment tous les mobs vont vous taper et en fait vont vous générer des états ensanglantés. Le seul qui ne le fait pas, c'est le petit truc là, c'est la petite merdouille devant moi. Donc le petit requin là qui, lui, il ne génère pas d'ensanglanté. Donc c'est pas très grave. Mais les autres, le marteau et le lancier, c'est une autre affaire. Là par contre, eux ils génèrent énormément d'états ensanglantés. Et si vous êtes au niveau 5, en fait le boss pour 10 points de Wakfu, il va vous taper et va vous retirer 50% de votre vita restante. Donc imaginons que vous avez 10 000 PV, paf, il vous en faut moins 5 000 dans la gueule directement. Bon, par contre, si vous aviez 100 PV, il va vous enlever que 50 PV. Mais bon, le boss n'est pas bête, hein. Il va préférer vous attaquer tout simplement et vous taper, vous tuer. Et il fera le sort sur un mec qui a un peu plus de PV en vie. Voilà. Alors, pour éviter ça, on va lancer le combat et je vais vous expliquer. Alors, il y a un moyen très simple hein, de l'éviter. C'est que, en fait, vous voyez là, sur un monstre, donc une fois par tour, la glyphe permet d'envoyer moins un point de Wakfu. Vous comprenez vite, en fait, ce qu'on va faire. C'est que le boss, faut pas qu'il ait 10 points de Wakfu. Donc, en fait, on va le poser sur la glyphe, mais tout le temps, tout le temps. Et une fois qu'il est sur la glyphe, bah il aura maximum, au grand maximum, 9 points de Wakfu. Parce qu'en fait, quand il va commencer son tour, il va se prendre moins 1, tu vois. Donc, en fait, la strat sur ce digi, c'est de constamment placer le boss dans une glyphe. Voilà, comme ça, vous n'avez pas de problème. Après, bah vous pouvez taper tranquillement les autres mobs. Vous êtes pas inquiété. Vous pouvez avoir l'état donc justement ensanglanté et il monte très vite. Hein. Regardez, je suis déjà ensanglanté niveau 2. Bon, les petits requins, comme je vous ai dit, ne placent pas ensanglanté. Mais regardez, le lancier va m'en appliquer un état de plus. Voilà, 3. Le marteau va m'en placer un de plus. Je vais être niveau 4. Voilà, ça monte très vite. Hein. Niveau 5, comme quoi, il peut faire très très mal. Et même moi, hein, mon level. Hein. Regardez là. Mon level là, j'ai 10 000 HP. Bah en fait, il m'envoie moins 50% directement. Le boss est très très fort, donc faites attention à ça. Mais après, le boss est quand même assez con. Hein. Il va lui-même marcher énormément dans les glyphes. Donc s'il y a moyen, imaginons, vous êtes tout seul. Hein. Là, vous avez les 6 personnages ici. Là. Voilà, vous avez les 6 personnages ici. Le boss, il va faire bêtement, hein, il va faire blop, 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 blop. Hein, et il va se retirer moins 3 points de Wakfu comme un teubé. Heureusement, on a des IA bien faites. Hein, ils sont un peu teubax, les mobs. Donc, ça nous arrange bien en tout cas. Hop, je vais laisser volontairement le boss arriver à 10 points de Wakfu. Comme ça, je vais vous montrer le sort en question. Et justement vous montrer la dangerosité de pourquoi il faut l'éviter parce que sinon ça va être compliqué. Là il a 9 points de Wakfu, il va arriver à 10 et je vais me laisser taper. Voilà, regardez le sort, attention, et là clac, moins 300 etc. Mais attention, le pire va arriver, voilà, moins 1900 dans ma grosse gueule. Et ça aurait pu faire encore pire, donc voilà, il a lancé, hein, par contre il a plus de points de Wakfu. Et moi, je suis revenu à ensanglanté niveau 0. Donc, au moins, ça revient, ça reset un petit peu. Mais ça fait mal. Voilà, donc, mettez toujours le boss sur la glyphe. Comme ça, au moins, vous êtes sûr et certain qu'il ne va pas vous faire chier. Voilà. En tout cas, c'est la fin de la vidéo. J'espère que j'ai drop un... Ouais, non, j'ai pas drop d'anoin singé. C'est dommage, hein. On aurait pu faire un bon drop, là. Ça aurait été sympa pour la vidéo. En tout cas, les potos... N'hésitez pas à vous abonner, à liker et j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé en tout cas à gérer ce donjon.
et à obtenir donc un score de Stasis 10 avec vos amis. Voilà, sur ce, c'était Car. Ciao!